Hello level down, bonjour à vous sur la web TV et coucou à vous sur YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue pour ce premier Let's Live sur Final Fantasy X-2 HD Remaster. Chose première, chose due les amis, je vous avais dit qu'après la fin de Final Fantasy 9, eh bien nous commençons tout simplement Final Fantasy X-2 HD Remaster qui est pour moi un jeu très spécifique. Pourquoi? Parce que premièrement déjà, le jeu est très 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 peu fait, que ce soit sur YouTube ou en live. Deuxième chose, ça c'est d'un point de vue plus perso, et bien tout simplement, le jeu, à savoir que je l'avais déjà commencé sur ma chaîne YouTube, comme je vous l'avais déjà expliqué l'année dernière, l'été dernier précisément, après avoir fait pour moi, et selon les retours de ma communauté YouTube, le meilleur let's play que j'ai pu faire sur Final Fantasy X. Je vous résume, ça a été 85 heures, toutes les quêtes annexes faites quasiment, on va dire, à 95%. Il me manquait plus qu'une arme ultime, celle de Waka, pour les connaisseurs. Et le problème, pourquoi j'avais arrêté FF10-2 HD Remaster, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas fait de pause entre FF10 et HD Remaster et le 10-2. Et en l'occurrence, eh bien, je n'aurais pas dû, j'aurais dû faire comme j'ai fait après coup, entre FF13 et FF13-2, ce que je vous ai proposé sur la Web TV, une petite pause d'un mois et demi. Et j'avais promis de toute façon à ma communauté, et je vous l'avais dit depuis un long moment, que je voulais revenir dessus. Donc, on va faire les choses comme il faut. Vous avez été nombreux à me demander, fait Final Fantasy X HD Remaster en live sur la Web TV. Je vous ai tout de suite répondu non, parce que je l'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube. Il a déjà fait aussi en marathon par Adran. C'est mon jeu préféré, Final Fantasy X. Et je ne sais pas en fait, dans le chat, vous allez me le confirmer, à savoir si beaucoup de personnes connaissent les événements de FF10. Nous, nous allons commencer FF10 HD Remaster, pas maintenant, mais d'ici une petite heure, parce que j'avais en fait pour objectif de vous proposer, pendant cette première heure de 14 à 15, eh bien un résumé des événements de Final Fantasy X, vraiment, mais un résumé complet, quoi, un gros résumé d'une heure, quoi. En gros, j'ai trouvé des petites vidéos qui étaient très sympathiques. En tout cas, je dis bonjour à toutes les personnes présentes dans le chat. À savoir, bonjour Jeff, bonjour Otalia, bonjour à Silver Game, bonjour à Killer of Night, bonjour à Krusty Shop, bonjour à Ryokai, bonjour à Chashogun, bonjour à Turbo Keket, bonjour à Yaiko, le World Champion pour Waka. Ouais, elle est tellement dure à avoir, cette arme secondaire, enfin, cette arme ultime, on va dire, de Waka, faire des matchs de Blitzball. Ça ne m'intéressait pas vraiment, mais par contre, sachez que je les ai eu pour tous les autres personnages, et franchement, ça a été très 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 dur. Alors, j'attends vos retours, les amis, pour savoir si déjà vous connaissez les événements de Final Fantasy X. En attendant, eh bien, je vais vous présenter un peu comment va se présenter cette première heure. À savoir que, comme vous le savez, mon miniatiseur personnel, qui fait de très très belles miniatures pour les rediffusions YouTube, Romain alias Tony Girl, que vous avez pu voir en vocal avec moi pendant 2 ou 3 lives sur FF13, quand on était sur les steps de Kilt, eh bien a fait à ce qu'on appelle un GMV qui résume parfaitement 90% du jeu de FF10. Ça va durer 36 minutes, donc on va se mettre eh bien, de manière posée en regardant ça. J'ai eu son accord que je vous avais plus ou moins eh bien, tout simplement teasé la dernière fois à la fin de FF9. Et je dois vous avouer que je suis très content qu'il m'ait donné l'autorisation qu'on regarde son GMV tout ensemble. Comment ça va se passer? J'organise une scène, je vais couper la cam, je vais couper un petit peu tout pour que ça soit le maximum le plus visible pour vous. Je ne parlerai pas en vocal, je vous le dis complètement, pendant 36 minutes, je ne vais pas parler en vocal. Je serai avec vous dans le chat, donc je vais demander au modo de... s'il y a des personnes qui arrivent entre-temps et qui disent « Et pourquoi on n'entend pas de vocal? Pourquoi il n'y a pas de cam ?» Eh bien, tout simplement de dire qu'on fait un résumé de FF10 et que, eh bien, dans ce cas-là, faut profiter. Je vous invite même d'ailleurs à passer en mode cinéma, si ça vous intéresse, et à interagir avec moi par écrit dans le chat, ça pourrait être très sympathique. Donc, nice, car moi, j'ai jamais fait le FF10. Vous voyez, c'est exactement ce que je pensais. Salut The God Bidou. Minou Magique. Eh oui, exactement, Jeff, exactement. Perso, j'ai joué FF10, mais j'ai pas fini. D'accord, Yaiko, très bien. Salut à toi, Stone Eagle. On parle de moi, Angel. Salut à toi, mon ami. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et écoutez, on va faire ça. Ensuite, son GMV, en fait, se passait juste avant, donc le GMV de Romain, se passait juste avant son épisode final. Donc moi, ce que je vais vous dire après à l'oral, c'est que je vais vous dire exactement qu'est-ce qui se passe pour le combat final. On va se remater la cinématique de fin de Final Fantasy X. On fera la pause. Après, on fera quelque chose qui est vraiment spécifique à l'édition FF10 et X-2 HD Remaster que je me suis repris sur PS4 et sur PC. Là, on va jouer sur la version Steam.
On va regarder une vidéo qui s'appelle Eternal Camp. Je vous dirai vraiment ce que c'est en temps voulu. C'est une grosse vidéo qui fait la transition et l'explication entre FF10 et FF10-2. Et après, on commencera le jeu en temps voulu. Voilà, les amis. Bah écoutez, ce que je vous propose, les amis, ce que je vous propose tout de suite, on va passer sur... Ah, Romain, ça va te faire bizarre. Ça va te faire bizarre de voir ça. On va passer directement sur le GMV de Romain. Donc, normalement, si j'avais tout préparé, ça devrait marcher. Voilà, c'est parfait. Donc, pour ma part, les amis, eh bien, j'ai pas envie qu'on perde trop de temps. Donc, je vais enlever la cam. Waouh! Je vais enlever ceci. Je vais mettre en plein écran. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous dis donc, eh bien, profitez bien. Je suis avec vous dans le chat pour interagir. 80 heures qui se sont passées pour Romain et pour moi. Et écoutez, on part maintenant.
Eh bien moi je fais un gros franchement pour le boulot que nous a fait vraiment Stone Eagle alias le Rominou magique franchement les amis. Ah là là, j'ai trop d'émotions vraiment les amis. J'ai trop d'émotions et vous pouvez pas savoir. Ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est normal que vous n'allez pas me voir là, parce que je vais pas réactiver la cam pour 2 minutes. J'ai beaucoup aimé dans son GMV, c'est-à-dire que ça s'enchaîne vraiment bien en fait dans les cutscenes. Et bien résumé, surtout le choix des musiques, parce que dans un GMV, eh bien tout simplement, on n'est pas obligé de choisir les musiques du jeu. Et j'ai vraiment adoré ces transitions qu'il a bien fait, placées avec des moments vraiment très émotionnels, comme il nous l'a dit dans le chat, petit Romain. Donc honnêtement, ça me ferait super plaisir, les amis. Déjà, tu fais ça. Voilà. J'aimerais, franchement, si ça vous dérange pas, d'aller vous abonner à mon poteau, mon petit Stone Eagle. Et pour la petite anecdote, sachez qu'on s'est connus bah, grâce à Mina, hein, la Wikimina, vous savez, qui m'a beaucoup aidé sur FF10, qui l'a beaucoup aidé aussi sur FF10. Et on s'est connus grâce à FF10, Romain et moi. On s'est connus grâce à ce jeu, donc ça fait vraiment bizarre. Donc je vous mets le lien de toute façon, il est juste là, le nom de sa chaîne est juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner, franchement, ça me ferait super, super plaisir. Il vous fait du KH2, il vous fait du Okami. Qu'est-ce que je suis chez toi aussi? Du FF10 type 0. Que moi je ne suis pas sur sa chaîne parce que je veux le faire eh bien plus tard par la suite sur ma chaîne ou alors en totale découverte avec vous en live. Et en tout cas ça me fait super plaisir. Les amis, s'ensuit après ce GMV, eh bien tout simplement le combat final contre Jekt, donc le père de Tidus, hein, qui n'est autre que bien sûr la carapace de Yu Yevon comme nous l'avons appris. Le combat final contre Yu Yevon, et là ce que je vous propose, c'est qu'on se mate directement. Eh bien, la scène finale du jeu. Donc, on est reparti pour 9 minutes. Je vous dis donc à tout de suite. Have to go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkand. Goodbye. Oh, hey. We're gonna see you again. Yuna. Huh?
Yuna, it's time. Everyone... Everyone has lost something precious. Everyone here has lost homes, dreams, and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. Now, Spira is ours again. Working together. Now we can make new homes for ourselves and new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let's start out today. Never forget them. Et voilà les amis, donc on va peut-être stopper ici, même si la musique est très très belle, donc on va se l'écouter. Thank you.
Ok. Il était bien fait comme cette fainéante. Ça passe quand même plutôt bien, je trouve. Vraiment sympathique. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai bien fait de laisser. Ok, bon. J'espère en tout cas que ce petit résumé vous aura plu. Franchement, c'était super cool. Pour ma part, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre par là. Je vais regarder quand même vos commentaires. Là, elle prend le micro et boum. Speedy, on verra bien par la suite. J'ai vu que vous avez été très, 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 très émotif. Hein. Plus pour Sony Vegas. Comment ça, Jeff? Ah oui, d'accord. Voilà. En tout cas, bonjour à Zach qui vient d'arriver. J'ai vu qu'il y avait bonjour à toi Speedy qui vient d'arriver. Bonjour à Biohazard. J'espère que vous allez bien, les amis. Il est 14h55, les amis. Donc, moi, ça me permet, eh bien, tout simplement, d'être parfaitement synchrone avec le planning que j'avais prévu. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on part tout de suite maintenant en pause. Donc, je vous dis à dans 5 minutes. Thank you.
Hey, re tout le monde! Après avoir fait cette première heure sur un résumé magnifiquement fait, franchement, par le GMV de Stone Eagle et la cinématique finale que je vous ai proposée, eh bien nous allons maintenant passer, avant de commencer Final Fantasy X de HD Remaster, nous allons faire une cinématique qui s'appelle Inner Eternal Calm, qui est dispo sur la compilation FF10 HD Remaster et X2 HD Remaster. Une cinématique qui fait clairement la transition entre FF10 et FF10-2, qui n'était présentée à l'époque qu'au Japon, que sur les réseaux sociaux, et on a eu la chance, enfin je devrais dire la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, on devrait. Je suis content de vous la proposer parce que ça va expliquer beaucoup de choses entre la scène finale de FF10 et le tout début de FF10 HD Remaster. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans le chat? On va voir ça. Re tout le monde, je vois que ça va, tout va bien. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité, ça m'a fait plaisir. Et franchement, je pense qu'on peut pas faire plus complet quand même en termes de résumé de Final Fantasy X. Là, franchement, si prochainement sur les lives de FF10-2, il y a des personnes qui disent « Pourquoi t'as pas fait FF10 » Renvoyez-les directement sur justement la première partie de ce premier live de FF10-2. Et en tout cas, ça me fera super plaisir. Mais waouh, cet accent incroyable! Eh oui, Speedy, je suis bilingue, ou même trilingue, ou même quadrilingue. J'aime bien les cours de langue. Lol. Bref, les amis, allez, on va passer sur la scène de FF10-2. C'est normal, vous n'avez pas encore le retour du jeu. Alors, vous voyez, hein, maintenant, comme je vous ai dit, toujours le nom du jeu en bas à gauche. La cam qui est toujours disponible, je l'ai un petit peu augmentée. On va lancer FF10, qui est ici, la compilation. Vous avez le son du jeu, normalement, mais vous n'avez pas le retour à l'image. Je vous propose qu'on passe directement sur Eternal Calm. Let's go! Yuna, it's time! Coming! You're diving like a real pro, yeah? You'll always be the pro, Waka. I don't know. It's been so long since I trained. You have gotten a little chubby. No! And you're not even the one having the baby. It's been 2 years. I've learned how to hold my breath for more than 2 minutes now. It takes more than physical strength, and there are some tricks you can't be taught. It took practice, lots and lots of practice. I just had to keep trying until I figured it out for myself. And you know what? Back then, I didn't think there were any tricks to it at all. I didn't have time to think. An eternal calm. A slightly chubby Waka. And my 2 minutes, 41 seconds. It's not much, but it's enough.
Lady Yuna, it is a pleasure to meet you. I heard your speech 2 years ago in the stadium, but seeing you this close, you look so much more. I mean, you are truly beautiful. That's very kind of you to say. The reason I've come here today is to talk to you about my grandson. He's joined the Youth League, you see. I've nothing against the League, mind you. It's just me and the missus belong to New Yevon. My grandson used to attend all the party meetings with his parents, of course. That is, until one day. I'm sure being around people his own age can't be bad for the boy. Still, I am worried about him. I feel, how shall I say this? Like our grandchildren are moving too quickly. In the last 2 years, new groups have been springing up all over. Soyez attentifs là. Vraiment. Everyone wants to build a new age. Everyone wants to build a new spirit. And they're all racing to find their own way to do it. I only want what's best for him. But it troubles me when we agree on so little. People have different ideas, and sometimes they disagree on the right thing to do. Some people worry about what the new age will bring. Sometimes I worry too. I just have to tell myself that for now, I'm doing the right thing. I understand how you feel. But Tastio, maybe you should try talking to your grandson first. He may walk a different path, but I'm sure he wants the same for Spira, as we all do. To me, yeah? You really don't want to see them anyway. You know how they get. Lady Yuna! Lady Yuna, allow me to introduce myself. My name is Yigal. I've come on Youth League business. I bring a message for you from our leader, Maven Nuge. She's not interested in joining, yeah? Oh? Is that why you've come? That is correct, my lady. I'm sorry, but I will not be joining any group. Perhaps the lady will start a group of her own. Leave us, please. Yuna! Waka! Riku sometimes visits us here in Besaid. She's been traveling around Spira, salvaging ancient machina and teaching people how to use them. It's tiring work, but you wouldn't know it from looking at her. Hey, cut it out!
love sure got a handle on you. Where's Lulu? Back in the village. Go say hi, yeah? You betcha. And Yuna, you seem the same as always. Yeah, same as always. Is Kamari still on Mount Gagazet? Yeah, he's been up there teaching the orphan Ronzo all kinds of stuff. He's like this big guru now. Oh, that reminds me, I got something for you. Where is it? Here we go. Kamari found it up on the mountain. A sphere? Funny looking design, yeah? Take a good look, Yuna. I haven't done anything wrong! I know you're listening. If she was your girl, what would you do? How can you blame me for trying to use your weapon? It was the only way I could save the summoner! What would you do if you were me? Let me out! I want to see her! Past. No, it was a voice that's never left me. What is this? What's he doing? I mean, is that really him? Je répondrai à vos questions juste après, rassurez-vous. What's going on? I'm not sure. But you want to find out, don't ya? Well, yeah, but... Yes! Let's go then! Go where? Well, that's the tricky part. I know. Kimari found the sphere. Let's go talk to him. Whoa. You sure you're ready to just run off? Can't you wait until we find out a little more first? And just who's supposed to do the finding out? Leave that to us. I'm sure Maven Nuge will agree to help. In fact, I volunteer to ask him myself. Beat it, yeah? Understood. I shall return as soon as possible with a full report of our investigation. Well, look, I really want Yuna to go. She can't do that. Why not? Because she's booked solid for 3 months, yeah? And everybody wants to see her. Oh, yeah? Well, what about what she wants? Well, yeah, but... Okay, maybe once things calm down, you know? And what if they don't, Waka? What then, huh? I don't believe it. After everything Yuna did for us. Why can't she just do what she wants to do now? Why? You know, every time I visited here, I wondered, why is it that when everyone's out making their dreams happen, and everyone's getting their chance, Yuna's dreams are on hold? Gee, it's not like you... Whoa. What do you know anyway, Tubby? Yuna? I want to journey again. If I leave, I'll be disappointing everyone else. I want... What's the point of pretending to be all grown up if it means the things I want to say never get said? How am I supposed to change anything? I'll go. Yuna! I know it's selfish. But this is my story. Right on! I knew you'd say that, so I brought something just for you. Give me a break. First, a costume change. You need a new look. You are a celebrity, so incognito's the way to go. But wait, you two!
I'll go get Lou. An eternal calm. A slightly chubby Waka. And my 2 minutes, 41 seconds. It's not much, but it's enough. Still, it's okay to want more, isn't it? Riku, let's leave. Let's leave right now. Ok les amis, alors, déjà je vais m'assurer d'une chose, c'est à savoir si quand je vais lancer FF10.2 HD Remaster, sur le générique, je vais parler en même temps, vous allez me dire absolument si le son du jeu est bien par rapport à ma voix, et je vais répondre aux questions que vous vous êtes posées pendant Eternal Ken, donc l'éternelle félicité. On est parti pour le jeu, voilà, normalement vous devriez, voilà. J'espère que vous avez le retour, oui c'est bon. En tout cas je suis très content parce que le nom du jeu en bas à gauche ne gêne pas pour les sous-titres du jeu, donc ça me fait super plaisir. Alors, vous m'avez demandé, première chose, si je comptais mettre les voix japonaises ou anglaises. On peut choisir en effet les voix japonaises, je vous le confirme, mais je connais FF10 que dans sa version américaine, et pour rien au monde je ne changerai les voix tout simplement de FF10 en japonais, donc je laisserai en anglais. Bref, les amis. Ensuite, deuxième question. Vous m'avez demandé si j'allais renommer des personnages. À savoir que dans celui-là, on ne va pas pouvoir vraiment facilement le faire. Mais on va pouvoir changer les noms de certaines créatures. Je n'en dis pas plus. Un petit indice familier. Et croyez-moi que je vais m'en donner à cœur joie. Parce qu'il y en a de plus en plus, bien sûr, à capturer. Et surtout à renommer. Et là, je vais bien m'amuser. Ok, les amis. Est-ce que vous avez des questions avant que je commence le jeu ? Très important. Surtout, n'hésitez pas à me dire si le son du jeu vraiment est bien, parce que là, on est parfaitement sur un bon test. J'aimerais vraiment que vous me le disiez, parce que c'est vraiment très 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 important. Est-ce qu'il faut que je baisse un peu le son du jeu? Je pense pas l'augmenter, ça sert à rien. Mais j'avais fait les tests, mais vraiment que vous assuriez vraiment que ça soit parfait, quoi. Tant pour vous que pour moi au niveau de la rediff après sur YouTube, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que oui, il y aura bien sûr la rediffusion sur YouTube, hein. Je vous rappelle, il n'y a pas de souci, hein. Dès que, en général, je mettrai toujours les rediffs avant la suite des prochains lives. Eternity Memories, oh, Memory, pardon, of Lightwaves. Exactement. Et nous avons eu, bien sûr, aussi dans Eternal Calm, Fleeting Dream, Someday the Dream Will End. Et donc, c'est vraiment très, très, très sympa. Commence. Fuyez, pauvre fou. Et ben, on verra ça par la suite. J'aimerais bien juste le retour, s'il vous plaît. À savoir si tout est ok au niveau du son du jeu, vous le savez que je vous le demande toujours en début de live. Il est où mon café? Il est où mon Lipto? À savoir que j'aimerais bien que vous me disiez l'heure comme d'habitude à 15h50. Eh bien, pour l'heure, pour laisser le stream à Adran qui sera avec vous de 16h à 20h. Je suis désolé aujourd'hui, j'ai peut-être pas forcément l'air super motivé, mais il faut savoir qu'hier en fait le live de 5h m'a complètement HS et ma voix est vraiment. J'essaie vraiment de la garder parce que ce matin je me suis réveillé avec un bon mal de gorge. Donc écoutez, parfaitement, il n'y a pas de souci. Alors, à savoir que normalement on devait pouvoir sauvegarder comme dans FF9 à n'importe quel moment et ça doit pas être le cas alors si je regarde. D'accord. Moi, ça va nickel, d'accord, donc merci pour Jeff. Et bonjour à toi, BFA, bienvenue à toi sur le stream. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on propose directement la cinématique de début. Croyez-moi, vous allez être chamboulés. Ça va être très what the fuck. Il va falloir s'accrocher en tout début de jeu, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce jeu par rapport à la qualité des émotions de FF10, etc., etc., etc. Et rassurez-vous,
Rassurez-vous. Je serai là pour vous expliquer en temps voulu, vraiment. Mais franchement, ne décrochez pas, même si c'est très what the fuck. Croyez-moi, le scénario vaut vraiment le tour, vraiment. Allez, on est parti. Et je dédicace ce tout début de cinématique à Shua, à Mina et à Mika pour ce que vous savez, parce que je vous le dirai un peu plus tard pendant le live. J'ai toujours pas eu ma requête concernant certains cosplays. Allez, let's go les amis, on est parti. Et non, je ne danserai pas sur la musique, je vous préviens. Ah là là, cette super cinématique. Et non, je ne danserai pas tout nu sur cette musique, hors de question. Allez, let's go. Salut à toi, Rome, bienvenue sur le stream. Et pour répondre à ta question, Biohazard, oui, je renommerai par le nom de viewer, de modo et d'amis aussi pour les créatures. Ok, let's go. Et là, vous allez vous dire, mais what the fuck, c'est quoi ce système de combat? Allez,
Donc on affronte Yuna avec deux sbires et on a donc Riku et Pain. Donc bah écoutez, on les le blanchet, c'est parti. Je sais pas si ça sert à quelque chose de voler. Voilà. C'est bon. On va essayer de voler hein, le blanchet et attaquer. Ok, là vous devez vous dire, mais what the fuck, pourquoi c'est plus du combat comme à la FF10? On est revenu sur un segment de JoJTB classique. Et on va avoir des niveaux. Et ça c'est plutôt sympathique je trouve. Ok, maintenant c'est débrancher des sbires. On va voler. Et escrime et mousse. Alors j'ai pas le résumé. Bonjour à toi, Archo, bienvenue sur le stream. Et en effet, c'est le dance floor. Allez. Alors toujours classique, en bas à droite, un nom du personnage, le nombre de HP, le segment de jauge ATB qui se remplit au fur et à mesure, et les MP, les points de magie. Par rapport à FF9, vous ne devrez pas être trop perturbé. Yuna est devenu oulala. Ok, les amis, vous pouvez m'indiquer l'heure, s'il vous plaît, dans le chat. Ok, donc on va poursuivre Yuna. Alors, je peux faire des combos si j'attaque en même temps aussi, je crois. Avec les deux personnages. On va tester maintenant. Ah, il n'était pas assez puissant. J'ai hâte de voir Falcon sur le passage du massage. Yep. On verra ça par la suite, ma petite chouette. En tout cas, la musique est bien rythmée. Regardez, là, ça a fait un combo. Voilà, parfait. C'est ce que je voulais illustrer par le combat d'avant. Là aussi, voilà. On va passer par là. Ok, on a le temps, quoi. Donc, on va la poursuivre. Mais juste avant, vous voyez, le jeu nous dit, il faut aller... On aille tout droit. Mais moi, je vais aller sur la gauche. Parce que je vais activer quelque chose... qui est plutôt bizarre, vous allez voir, mais rassurez-vous. Là, de toute façon, ce début de jeu, ça sera beaucoup un présentation du jeu et tuto, hein. Je vous préviens tout de suite. Le vrai, vrai commencement, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, visuellement, ça fait plaisir de revenir sur un jeu après FF9, même si j'adore, sur un jeu où il y a des voix, un jeu entièrement en 3D, ça fait vraiment super plaisir. N'oublie pas le Moogle. Oui. C'est exactement ce que je voulais faire, Zach. Ah! Ah hi! Yeah! Par contre, je suis un peu déçu parce que... on avait dit qu'il y avait un système à la FF9 pour reprendre la partie à n'importe quel moment. C'est un peu bizarre. Alors, regardez ici, il y a un petit Mog. Donc, hop. Il nous a rétabli normalement tous nos HP et nos MP, si je me trompe pas. Yes, c'est ça. Ok, donc maintenant c'est fait, on va pouvoir continuer. Non, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais ça change beaucoup au niveau design entre Riku et Yuna pour le moment. Et on a une nouvelle venue donc, qui s'appelle Pain, qu'on n'avait pas vu dans FF10. Rassurez-vous, on va bien savoir assez tôt qui c'est. Bon, je martèle là pour l'instant, hein. Je veux dire, c'est pas... y a rien de méchant à faire. Hein. Alors par contre, ça s'appelle des Le Blanchette. On a pris Sentinelle. Ça, je reviendrai après. Parfait. Et on continue. Mais non, laissez-nous tranquille. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Laissez-nous tranquille. Ah, hey. Allez. Alors pour l'instant non, j'ai pas accès à ça, je voulais faire ça. Et ouais, Pain. Moi, c'est un personnage que j'aime particulièrement. Mais bien sûr, je vais pas vous spoiler, c'est hors de question. Ok, let's go. Hey, you run too fast. You're too slow, little girl.
is over! Youch. This way. Ça va les Bioman? Ok, donc on a récupéré Yuna, mais dans un costume différent. Alors, on va voler. On va faire tir rapide. Pour ça, j'appuie sur R1. Voilà. Et tu vas faire escrime et mousse sur Logos. On va se concentrer sur Logos pour l'instant. Ok, il n'y a rien à voler. Donc tu vas attaquer. Voilà, et en plus on a fait un combo, parfait. Tu attaques, et un petit tir rapide. Hop, 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 voilà. Alors vous devez vous dire, c'est très what the fuck, mais pour l'instant, c'est normal si je n'explique pas encore. Ok. Tu vas voler. Tir rapide. C'est très dynamique au niveau combat, hein, sachez-le. Très 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 rapide. C'est quoi sa sentinelle? Qu'est-ce que c'est? Et on enchaîne un combo derrière, parfait. Au niveau HP, on est plutôt bien, ça va. Quite enough sniveling, boys. Persistent, aren't you? My grid. You give us back Uni's garment grid right now. Didn't you girls ever learn to share? Give it back. Very well, it's yours. Tadam! Et donc voici la fausse Yuna qui s'appelle 3 points d'interrogation. Et on va l'affronter. Appuyez sur LB pour choisir une tenue de votre palette. Attendez, là je choisis quoi? Non, donc c'est l'autre. What? Et pourquoi tu veux pas descendre? What, 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 what? Mais pourquoi j'y arrive pas? Ah bah oui, quel débile. J'étais déjà directement dessus. Et on va faire des cosplays. N'importe quoi. Ok, effectuez une danse aveuglante pour infliger obscurité à Leblanc. Hey, eyes on me. Et donc, comme ça, si elle fait une attaque physique, elle a moins de chances de pouvoir, eh bien, tout simplement, nous toucher. Donc, on va continuer à voler, et on va faire un petit mousse. Il n'y a rien à voler. This is goodbye, love. What a nuisance. Tu vas encore danser. Allez. Tu attaques, tu attaques. Elle a des blondes, elle a de la poitrine. C'est tout rhum, non? Et donc, j'ai pas dit, mais elle s'appelle Leblanc. Ok, on danse encore. Voilà. Riku.
Ok, et la mission est accomplie, parce que maintenant, ça va se transformer en mission, vous allez comprendre. Et réapparition des niveaux, comme je vous ai dit, on va gagner des gils en même temps. Des objets, comme d'habitude, vous connaissez un peu, maintenant c'est le quatrième Final Fantasy que je vous propose sur LD. Let's go. On veut la suite. Frightened. Then, while I was dancing, something happened. Vous voyez le petit logo Chocobo? Je crois que ça doit être le truc reprendre. It felt like some other person's excitement just took over. That can happen when you use their garment grid. The emotions of the person recorded in the sphere pass to the user. Isn't that dangerous? I can't really say. But it's your invention. I'm just a kid. Dance, Yuna! I want to see! It'll cost you. One moment. She's kidding. What? No dance? Lucidity. Gomez! Doing goody-duck! I've completed my latest invention. Alors, dressage de monstres. Servez-vous des pièges conçus par Shinra pour capturer des monstres dans tout Spira et formez-les en tant qu'alliés des Albatros. Les Albatros, c'est notre équipe et nous sommes des chasseurs de sphères. Plus vous attraperez et formerez de familiers, plus vous apprendrez à leur sujet. Ok, donc, je ne vais pas résumer tout ce qui s'est passé dans FF10, c'est hors de question, hein. Maintenant, je pense que vous êtes assez grands. Je compte pour les connaisseurs, et bien s'il y a des gens qui posent des questions dans sur le chat, et bien qu'on puisse leur répondre. Et donc, pour l'instant, on va parler un peu au personnage. This is Pain. I look up to her as a sphere hunter, and also as a friend. I still don't know her very well. She's not exactly the talkative type. I heard she joined the Gullwings shortly before I did. Riku doesn't know much about her either. What now? Mais quel accueil! Attendons sagement qu'une info tombe. Ok. Alors, on va aller là-bas. On va aller voir Riku. Having fun? You bet! It all began when I saw this sphere of you. At least, it looked like you. I couldn't say for sure. I thought I might find more spheres like it if I joined the Gullwings, so I did. Oh, in case you're wondering, the Gullwings are sphere hunters, and sphere hunters are, well, this. We fly all over Spira. I'm really enjoying myself. Glad to hear it. For a while there, I was starting to feel like a kidnapper. Don't be silly. Ok. Y a pas de sphère intéressante à aller chercher ces temps-ci, hein? Yuna, has my talking gotten better? He really has improved quite a bit. He told me that he practiced, just so that he could talk with me more. Alors le 10 se passe, si je me trompe pas, 2 ans après les événements. Le 10-2 se passe 2 ans après les événements du 10. Hein. Apprentissage de l'albède. Frangin et tous les albèdes parlent parfois dans la langue de leur peuple. Yuna en connaît quelques bribes, mais elle a encore beaucoup de progrès à faire. Pour cela, il y a 2 solutions. Petit 1, écouter un maximum de conversations d'albèdes, ou bien aller chercher, petit 2, des manuels enfouis dans le désert de Bécanel. On a gagné le manuel albède 21, 19, 3... Let's go! Party! Party! Vous avez gagné la vétisphère estivante. Je vous expliquerai ce que c'est, palette, vétisphère, etc., etc. Bon, ok. Donc là, c'est un dialecte un peu bizarre. Et on va parler à notre dernier membre d'équipe, qui est là. Still analyzing. Crédible. Buddy and brother are old friends. Buddy says he was aboard Sid's airship with us 2 years ago. When I told him I didn't remember, he seemed disappointed. Ok, Manuel Albed 17. Frangin, dans la société d'aujourd'hui, il serait pas sortable. Alors, je vous préviens que ça va être très... je vous ai prévenu, très what the fuck, ce début hein, de live. Hein, c'est... Début de jeu, hein, c'est clairement ça.
Toujours encore d'analyse. Ok, très bien. Donc là, ça va être très important. On va aller voir lui. I know everything. Shinra. Shinra's in our bed. He's a real whiz kid. Alors, dressage de monstre qui est une nouveauté par rapport à la version HD Remaster qui était disponible dans la version normale de la version japonaise de, du 10-2. Mais nous, nous ne l'avions pas eu à l'époque, bien sûr, lorsque FF10-2 était sorti sur PlayStation 2. Voulez-vous voir le tutoriel? Yes. Laisse-moi t'expliquer le système des familiers. J'ai créé un lieu secret que j'appelais le Colisée. Tu peux y entraîner les familiers incorporés dans ton équipe. Les monstres sont des humains dont l'âme n'est pas allée dans l'au-delà. Mon but est d'analyser les monstres et de connaître leurs secrets. Il faut aller dans le menu capturer pour attraper des monstres. Bah, let's go. Vous recevez un piège S. Laisse-moi t'expliquer comment attraper un monstre. Posez ces pièges que j'ai créés là où tu penses que des monstres vivent. Mes pièges captent l'âme des monstres et les changent en créatures inoffensives. J'en ai fabriqué 4 sortes. Les pièges S, M et L servent à cibler un monstre en fonction de son gabarit. Les pièges SP permettent de cibler un monstre par type ou de capturer des humanoïdes. Aucun piège ne te sera offert si tu en as déjà 8, le chiffre maximum. Essaie d'attraper Frangin pour t'entraîner un peu. Il est en vadrouille à Luca. Donc, on va essayer de capturer Frangin. Luca attire toutes sortes de monstres, mais les pièges SP y sont inutiles. Attention au gâchis. D'accord, donc je sélectionne. Il faut préciser le type de monstre à cibler avec un piège SP. Frangin est un humanoïde. Bah, sélectionner. Quand tu as fini de les poser, tu peux aller relever les pièges en appuyant sur RB. Sélectionne un lieu où tu as posé un piège. Bah, Luca. Frangin. Inclure dans l'équipe, bah... oui. Et pour ce premier... personnage que l'on a capturé, j'ai pas envie de changer le nom parce que Frangin c'est Frangin et que Frangin, j'aime beaucoup son nom et que ça colle bien à son personnage. Le test avec ce piège a fonctionné. Certains monstres s'entendent très mal, ce qui peut t'empêcher d'en capturer. Cela t'avait été bienvenu sur le stream, comment vas-tu? Relâche certains familiers si un monstre semble introuvable, ça aidera peut-être. Voilà, tu sais tout de la capture des monstres. Le menu formé permet de gérer les familiers. Pardon. Ils seront plus forts équipés d'accessoires et d'objets. Let's go. Hein. Vous pouvez former les familiers à l'aide d'accessoires et d'objets. Sélectionnez créature depuis le menu. Donc créature, ce sera familier. Ok. Vous pouvez ainsi former vos familiers. Sélectionner un familier à former. Bah... Frangin. Ah non, ça sélectionne automatiquement, d'accord. Et choisissez de quelle manière vous souhaitez procéder. Par exemple, si vous choisissez objet, l'inventaire s'affichera. Vous pouvez voir les paramètres du familier changer. De nouvelles compétences apparaîtront selon l'objet utilisé. Le curseur se trouve sur l'objet éther. Si vous utilisez 2 exemplaires de cet objet, le familier apprendra la compétence Conjuration. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir apprendre de nouvelles compétences grâce à l'acquisition et donc à la transformation d'objets, si je comprends bien. Formons la créature. Lorsque vous sélectionnez l'éther, il vous sera demandé de confirmer. D'accord, donc si je donne 2 éthers, j'apprends Conjuration. Et ça augmente MP de 1. D'accord. Si vous choisissez oui... Nash Horn apprendra Conjuration. Mais attention, les familiers peuvent apprendre un maximum de 4 compétences d'action et 4 compétences automatiques. Très bien. Si vous souhaitez lui apprendre une nouvelle compétence une fois cette limite atteinte, il devra d'abord en oublier une. Pokémon! Pour ce faire, sélectionnez Oublier.
Un curseur apparaîtra sur la liste des compétences apprises. Sélectionnez une compétence. Et le familier l'oubliera aussitôt. Seules les compétences que le familier aura apprises peuvent être oubliées. Les compétences utilisées par le biais de l'équipement et autres ne sont pas affectées. Ceci conclut le tutoriel sur la modification des compétences des familiers. Bon, c'est beaucoup de théorie, hein, on fera la pratique. Hein. La vie des familiers se dévoile au fil de leur évolution. N'hésitez pas à me dire l'heure s'il vous plaît dans le chat, merci beaucoup. Leur histoire apparaît dans le menu analyser. Putain, on va le faire. Hein. Des chapitres se révèlent lorsque le familier gagne des niveaux. Une option pour les relâcher apparaît quand leur histoire touche à sa fin. En les relâchant, on assiste à l'épilogue de leur récit. Une fois l'épilogue terminé, le monstre est ajouté au bestiaire. Ouais, j'ai pas trop tout compris, mais voilà quoi. Donc bestiaire. Le but est bien entendu de lister tous les monstres de Spira dans le bestiaire. Bien sûr, tu peux aussi passer par le registre pour renommer ou relâcher un monstre. D'accord? Très bien. Ah, c'est une bonne chose ça. Oh, je sens que je vais bien m'amuser avec vous. Je sens que je vais très très bien m'amuser avec vous, sachez-le. Vraiment. Ah là 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 là. Et 15h47 en effet, ça passe trop vite. Tu peux aussi renommer Albatros avec RB. Un familier relâché perd ses points d'expérience et oublie ses compétences. Le Colisée est l'endroit idéal pour entraîner nos familiers. Avec eux, on peut y combattre les équipes de monstres que j'ai recrutées. On peut aussi y profiter des simulateurs de... des simulateurs de combat et des tournois. Des pièges à monstres sont offerts à ceux qui gagnent des tournois. Waouh! Donc les pièges SM ou SM, je crois, si j'ai bien suivi. Il va falloir lutter si on veut être les rois du Colisée. Pour finir, laisse-moi t'expliquer les combats des monstres. Grâce à ce tutoriel, vous apprendrez comment faire participer vos familiers au combat. Dans le menu, sélectionnez équipe. L'écran où vous pourrez ajouter les familiers à l'équipe de combat apparaîtra. Lorsque vous sélectionnez équipe, une liste de personnages et de familiers s'affiche à l'écran. Sélectionnez la créature que vous souhaitez ajouter à l'équipe. En l'occurrence, je pense, ouais. Une fois que vous avez fait votre choix, placez le curseur sur l'un des membres de l'équipe à droite de l'écran. L'allié sélectionné sera remplacé par le familier de votre choix. La constitution de l'équipe est terminée. Cependant, n'oubliez pas, il existe des familiers des trois tailles différentes, petite S, moyenne M et grande L. Ouh, le nombre de familiers pouvant participer au combat est limité à 3 familiers de taille S. Un familier de taille M correspond à 2 familiers de taille S. Un familier de taille L correspond à 3 familiers de taille S. What the fuck, quoi, s'il vous plaît. Salut à toi, Neutron, bienvenue sur le stream, comment vas-tu? Ainsi, si vous ajoutez un familier de taille M à l'équipe, vous ne pourrez y ajouter qu'un seul familier de taille S. Si vous ajoutez un familier de taille L à l'équipe, oui, on va très bien, Neutron, je te remercie. Vous ne pourrez plus ajouter de membres à l'équipe, le familier participera seul au combat. Ok. À propos, si vous sélectionnez dissoudre, l'équipe entière sera dissoute. Ok, et on recommence. Mais attention, vous devrez sélectionner un familier, au moins pour participer au combat. Une fois que vous avez choisi les membres de l'équipe, et que vous retournez au menu principal avec B, si certains familiers ne sont pas équipés, le menu d'équipement s'affichera automatiquement. Sélectionnez les familiers qui ne portent pas de vétisphère. Équipez une vétisphère de cette façon. Et c'est quoi alors en gros une vétisseur, pour vous faire simple, ça va être une sorte de menu où on va pouvoir sélectionner les différentes, alors ça c'est pour une palette, mais les vétisseurs ça va être ce qu'on appelle des compétences, enfin des jobs, des rôles plutôt. En gros ça fait des heures de gameplay en plus MDR, exactement les gars, exactement. Mais je réexpliquerai ça tout bien comme il faut lors du prochain stream, rassurez-vous. Et que votre équipe de combat, de familier, est prête au combat. Blablabla, blablabla. Tout comme les personnages, les familiers doivent être équipés d'une palette. Donc une palette, ça va être une sorte de... Ouais, comment vous dire?
un choix dans certaines zones où on va pouvoir avoir des bonus et des malus de job, en fait, tout simplement. Et donc, les vétisseurs sont des jobs. C'est très compliqué par la suite, mais vous allez voir que c'est très simple, en réalité. Ok. Les familiers peuvent porter un maximum de 2 accessoires. Les compétences et les paramètres d'un familier varient selon la vétisseur équipée. Les familiers ne peuvent pas effectuer de métamorphose. Les familiers peuvent équiper les mêmes objets que les personnages. Mais l'effet de l'objet varie selon qu'il est équipé par un familier ou d'un personnage. Je me dépêche un peu. Vous pourrez visionner les effets d'un objet grâce au message d'aide. En haut à gauche. Ceci conclut le tutoriel sur les équipes de familiers et leur équipement. Laisse-moi t'expliquer comment les familiers se comportent. Un point lumineux tourne autour de tes familiers. Ceux-ci choisissent par eux-mêmes quelles actions effectuer lors d'un combat. Vêtements, sphère, sphérié, vétisphère. Waouh, ça fait des chocs à pic. Alors, arrivés parmi nous, ils ne sont pas très matures et se battent un peu au hasard. Il ne faut donc pas lésiner sur l'entraînement. C'est en combattant qu'ils comprennent les effets de leur action sur les ennemis. Pendant un combat, tu peux les encourager à se battre ou leur conseiller de fuir. Par contre, tu ne contrôles pas directement leurs faits et gestes. C'est en les encourageant que tu influenceras leurs actions. Les étoiles, en haut à gauche de l'écran, représentent la jauge de motivation. Elles indiquent combien tes familiers sont motivés et leur humeur s'affiche juste en dessous. Leur motivation augmente lorsque tu appuies sur joystick de droite et diminue avec le joystick de gauche. Ok. Les familiers causent plus de dégâts lorsqu'ils sont motivés à se battre, logique, mais attention, ils encaissent alors moins bien les attaques ennemies. A l'opposé, les coups des familiers peu motivés causent moins de dégâts, mais ils encaissent mieux les attaques ennemies et se soignent plus souvent. Les familiers fuient quand il n'y a aucune étoile dans la jauge d'encouragement. Si ça tourne mal, tu sais comment les pousser à fuir. Et pour finir, un petit topo sur les compétences et la croissance des familiers. Comme nous, les familiers gagnent des points d'expérience et évoluent. Ils peuvent aussi apprendre de nouvelles compétences grâce aux attaques ennemies. Ah, leurs compétences de base sont limitées, mais ils savent reproduire celles qui y ressemblent. Par exemple, un familier qui connaît le sort brasier peut assimiler d'autres sorts de feu. En fait, ils peuvent acquérir pas mal de compétences supplémentaires du coup. C'est pour ça que l'entraînement est important. Plus les familiers combattent, plus ils apprennent. Ils apprennent aussi des compétences automatiques en plus des compétences d'action. Tu peux aussi leur faire oublier des compétences qu'ils ont retenues. Ils pourront les réacquérir si un ennemi s'en sert sur eux. Si tu as des questions, consulte le guide du combattant débutant dans le grand livre de Shinra. Voilà, tu sais tout, les combats avec un familier. Ah bah dis donc! Voilà, je t'ai tout dit sur les familiers. C'est à toi de jouer maintenant! Et on reçoit quand même un piège S pour avoir fait tout ce tuto. Un piège M, un piège L... Parfait. Ok, c'est bon. Alors attendez, je veux juste... dressage de monstre, visionner une sphère, bestiaire... On verra tout ça après. Nous, on va vite se profiler vers le point de sauvegarde. Et je crois qu'il y en a un, si je me trompe pas. Juste là, c'est parfait. Les sphères de sauvegarde, elles vous redonnent tous vos HP MP, soignent vos altérations d'état, sélectionnez sauvegarder pour enregistrer votre partie, sélectionnez retourne au vaisseau pour retourner au bord du Celsius, ah blablabla, et je sauvegarde qu'il est 15h55. Nouvelle donnée, oui. Ah bah ça va, au moins, voilà. Ah ah, j'ai plus de salive, j'ai plus de salive, j'ai plus de salive, j'ai plus de salive. Ah 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 ah. Ok les amis, allez. Je vais réduire le jeu. Tac. Tu fermes, voilà, merci. Tu fermes aussi, voilà, merci. Ok, j'espère que ce stream sur ce premier live de Final Fantasy X2 HD Remaster avec ce résumé sur FF10, mais aussi, bien sûr, la scène finale de FF10, mais aussi ce passage transition avec Eternal Calm. Eternal Calm, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Non, c'est ça, Eternal Calm, c'est ça. Vous aura plu, et que ce tout début de FF10 2, avec beaucoup de tutos, vous aura plu. Rassurez-vous, la prochaine fois, ce sera vraiment... vraiment, vraiment beaucoup plus sympathique. En même temps, on a fait 40 minutes, je pense, sur le jeu, donc j'étais obligé de vous montrer comme ça, et bien après, on évitera à chaque fois de réexpliquer, de réexpliquer, de réexpliquer. Je vous remercie d'avoir été là, merci pour vos conseils, merci encore une fois à Stony Gull pour
son GMV, parce qu'il nous a fait super plaisir, vraiment, c'était super cool. Pour notre part, on se retrouve, si tout va bien, pas avant mercredi malheureusement, parce que je suis pas dispo ni lundi ni mardi, parce que j'ai des choses IRL à faire de mon côté. On se retrouve mercredi 14h, on va commencer Kingdom Hearts. Prochain stream, je pense, sur logiquement, sur FF12, s'il n'y en a pas avant, checkez sur Twitter, n'hésitez pas à me follow, parce que c'est, j'annonce toutes les choses en général dessus. Ce sera, je dirais, pas avant, logiquement, samedi. Donc c'est pour ça, je vais pas, peut-être pas beaucoup live la semaine prochaine, je verrai bien. À part s'il y a des streams qui vont arriver, mais de manière YOLO. Allez, restez bien avec Adran qui sera en votre compagnie de 16h à 20h. Je vous fais des bisous, bon après-midi à vous, bonne révision, bon courage pour les examens, bon courage pour le boulot. Reposez-vous bien si vous en avez l'occasion, et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.